dans l'atmosphère brumeuse du quai de la Demi-Lune, la taverne de la Pieuvre s'éveille sous les premiers rayons du soleil pâle, promesse d'une journée chargée de mystères et de révélations pour nos aventuriers. La première étape de leur enquête les mène dans ce repère de marins, de voyageurs et d'âmes en quête d'oubli, où le secret de la découverte macabre attend d'être dévoilé. La lumière tamisée de la taverne filtre à travers les fenêtres encrassées, projetant des ombres dansantes sur les murs de bois usés par le temps. Les PJ, guidés par les rumeurs et la quête de vérité, franchissent le seuil de la taverne de la Pieuvre, leur sens aux aguets, prêts à dénouer le fil d'une énigme qui hante la ville depuis 3 semaines. Un vieux marin, la barbe emmêlée et l'œil pétillant de malice, s'approche d'eux, une chope à la main. « Qu'est-ce qui amène des étrangers comme vous dans ce repère de soifards ?» lance-t-il d'une voix rocailleuse. Les aventuriers, s'installant autour d'une table ébréchée, commandent de quelques chopes pour eux et pour leur nouvel ami, sachant bien que dans ce genre d'endroit, l'alcool délie plus les langues que l'or. « Nous cherchons des informations sur une découverte, particulière, faite non loin d'ici », entame prudemment l'un des aventuriers, observant la réaction du marin. Le vieil homme, après une longue gorgée, pose sa chope et commence son récit. « Ah, vous parlez sans doute de cette macabre trouvaille. C'était il y a 3 semaines. Quelques ivrognes, moi y compris, cherchaient un coin pour se soulager quand on a vu un bras dépassé d'un tas de détritus. Mais ce qui a vraiment attiré notre attention, c'était cette bague, brillant comme une étoile dans la nuit. » Il marque une pause, le regard perdu dans le vide, comme pour rassembler ses souvenirs. C'était pas un gars d'ici, c'est sûr. Habillé tout en noble, avec du tissu mauve nuit. Pas une trace de sang, pourtant. Il manquait la tête et le tronc. Comme si quelqu'un avait pris soin de tout nettoyer. Les aventuriers échangeaient des regards, la gravité de la situation s'imposant à eux. Vous dites que ces vêtements étaient particuliers, jamais vus par ici ? Interroge un autre aventurier, prenant note de chaque détail. « Jamais, confirme le marin, et pourtant, j'ai vu bien des étrangers passer. Mais un tel accoutrement, jamais. Ça devait être un gentilhomme, peut-être venu chercher des plaisirs que seule la nuit peut offrir. Mais personne n'a reconnu ses habits, ni ici, ni dans les auberges alentour. » Le témoignage s'achève sur une note amère, les aventuriers réalisant l'ampleur de leur tâche. Une dernière chope est partagée en silence, un geste de remerciement pour les sombres révélations du marin. Il se lève, sachant que la taverne de la Pieuvre n'a plus de secrets à leur offrir, mais que leur enquête ne fait que commencer.